Alors donc, toi, t'es un super-héros? Ouais. Et tu sais voler comme un oiseau? Pas comme un oiseau. Comme un avion? Non, non plus. Bah, voler comment, alors? En fait, je sais pas voler, moi. Mais tu es un super-héros. Ouais. C'est pratique pour les potes, pour les filles, c'est bien? Surtout pour les filles. Mais là, qu'est-ce que tu sais faire d'extraordinaire? Je transforme des bouteilles en plastique en chaise design. Et tu as un nom? Plastique Bernard. Ah oui, un petit peu comme le chanteur. Je connais pas. Paprec, leader français du recyclage. Alors, tu es un super-héros? Non. Mais alors, moi je croyais que... Pas moi. Lui. Il est en moi, le super-héros. Ah oui, je vois. En fait, vous n'êtes pas la même personne. Tu me vois faire ce qu'il sait faire. Franchement. Mais alors, qu'est-ce qu'il sait faire, lui? Bah, demande-lui. Mais il est où? Là, je parle pour lui, c'est tout. Donc, quels sont tes super-pouvoirs? Et il me répond pas, hein? On tutoie les super-héros maintenant. Pardon, quels sont vos super-pouvoirs? Il dit qu'il prend des vieux frigos et en fait des nouveaux. Ah oui, impressionnant, hein? Il sait. Paprec, leader français du recyclage. Alors, raconte-moi tes super-pouvoirs. Pour l'instant, j'en ai pas. Ah? En fait, tu les montes que pendant la nuit pour que personne ne sache que tu es un super-héros et la journée, t'es juste une fille comme les autres? Non. Ou alors... Tu te caches et quand personne te regarde, tu te transformes? Tu sais ce que je pense? Ah ouais, t'as des super pensées. Tu regardes trop la télé, toi. Moi, tout ce que je sais faire, c'est transformer les vieilles piles en nouvelles. Avec des champs magnétiques super puissants, des choses comme ça? Non, pas du tout. Faut que tu te calmes, là, parce que ça dégénère. Paprec, leader français du recyclage. Alors, tu es un super héros? Ouais. Et tu as des super pouvoirs? Mais tu n'as pas de costume de super-héros? Si, je porte un nœud papillon. Un nœud papillon, c'est tout? Bah oui, c'est mon costume de super-héros. Et ça te protège contre des météorites? Bah non, ce serait ridicule, oui. Ça te rend invisible? Mais non, pourquoi? Tu me vois, non? Et pourquoi alors? Parce que mon oncle en a un aussi, et c'est aussi un super-héros. Et alors vous sauvez la planète ensemble? Bah oui, lui il se boit des canettes, et moi je le transforme en bicyclette. Voilà, c'est tout. Bravo, très fort. Paprec, leader français du recyclage.